Salut tout le monde, salut tutage les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tuto, je voulais la faire depuis longtemps. Un tuto achat-revente sur FIFA 16. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter trois techniques qui marchent franchement très bien en ce début de FIFA. Voilà, on va tout de suite commencer sans perdre plus de temps. Là, vous voyez que je suis sur mon compte Road to Neymar avec 31 000 crédits comme lors de l'épisode précédent. Voilà, pour la première technique, ben, je vais vous présenter une technique assez sympathique. Voilà, vous mettez argent pour la qualité. Ensuite, vous tapez ici prix minimum et prix maximum 1000, ou plutôt 2000, on va dire. Voilà, 2500 et 2000. Et là, vous recherchez. Voilà, vous recherchez. Et dès que vous voyez un joueur qui paraît intéressant, qui joue en Barclays et, ou qui a de bonnes stats, c'est à vous de voir. Ben vous sautez dessus tout simplement. Là je vais essayer d'en vous trouver un. Histoire un peu de concrétiser tout ça. Voilà, je vais essayer de vous trouver un petit joueur assez sympa où je pourrais me faire des bénéfs. Voilà, là, je suis en train de chercher. Il faut savoir que moi c'est le matin, donc il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc je fais cette vidéo actuellement vers 10 h. Voilà. Mais vers la fin de journée, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus conséquent, on va dire. Voilà, là, il n'y a pas grand-chose. Allez, je vais essayer de trouver quelque chose quand même. Ah non, pas lui. Alors, pour cette technique, les gars, il faut faire franchement très attention. Par exemple, lui, il peut être intéressant. Voilà. Non, non, je vois qu'il a 1000. Voilà, c'est pas très intéressant. Allez, on recherche encore. Il faut savoir que cette technique, c'est une technique, ben, petit budget. Voilà, Mané. L'année dernière, il était en bronze, si je ne me trompe pas. Voilà, lui, il est intéressant en achat-revente. Vous pouvez faire beaucoup de crédits. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire. Voilà, vous recherchez des joueurs. Soit vous faites trouver tous les éléments, soit vous essayez de les remporter aux enchères. Et là, vous cherchez des exceptions. Ça dépend, ça dépend. Vous pouvez vous... Ça, tout est à l'improvisation, les gars. Voilà. On va passer à la deuxième technique parce que là, j'ai rien trouvé. Ah non, par contre, celui-là, il peut être intéressant. J'ajoute, au cas où. 100, 3000. Là, je vois qu'il vaut 2500 crédits. Et là, je vais surenchérir au maximum. Je vais laisser jusqu'à ben, 2000. Voilà, je vais laisser jusqu'à 2000. Voilà, là j'espère que je vais le gagner. Ah non, il m'a surenchéri. Allez. Allez, dernière offre. On va voir. Il m'a encore surenchéri. Allez, on laisse tomber, c'est pas grave. Mais bon, je crois que vous avez compris cette technique. Allez, on passe à la deuxième. Alors, la deuxième technique. Donc, elle consiste, si vous avez par exemple, on va dire, allez, 15 000 crédits. Vous mettez 15 000 crédits. Et là, vous tapez tous les joueurs qui vous passent par la tête. Je vais vous donner quelques exemples qui marchent bien. Pour ma part, en tout cas. Voilà, vous tapez Manolas. Vous voyez, là, il n'y a pas d'exception par contre. Mais bon, là, vous restez taper des joueurs. Histoire de ne pas faire la tech 59 parce que c'est vraiment fatigant sur l'appli web. Au lieu de faire la tech 59, ben, vous tapez à chaque fois un joueur. Il suffit de faire une petite liste, voilà, Socratis, Manolas, vous pouvez très bien vous servir de ce que je vous donne tout de suite. Voilà, ensuite, par exemple, on va dire, voilà, Rémi. Des joueurs, ben, qui valent pas trop cher non plus, voilà, Rémi n'y est pas. Konoplyanka, des joueurs comme ça. Il n'y est pas non plus, c'est pas grave. Ben, on va dire, qu'est-ce qu'il y a encore comme joueur? On peut taper Koscielny, pourquoi pas. Mangala. Voilà, Mangala, là, vous voyez. Il a 13 000 crédits. Il est pas cher, hein. Je pense qu'il va augmenter dans les jours qui viennent. Voilà, vous pouvez taper aussi, Bellarabi, par exemple. Je pense qu'il a 10 000 crédits. Voilà, 10 000. Celui-là, à 9 000, il peut être intéressant, mais je vais pas l'acheter tout de suite. Parce que ça vaut pas franchement la peine. Mais vous pouvez très bien l'acheter, vous faire un petit bénéfice de 500, c'est déjà ça. Voilà, vous pouvez taper Varane aussi.
qui vaut 22 000 crédits, mais Douglas Costa pourrait être un peu. Voilà, pour espérer, on va dire. Vous pouvez taper aussi, je sais pas moi, du Rakitic. Ouais, pourquoi pas. Il y est pas. Du Isco. Allez, on va chercher un peu. Il y est pas non plus. On va dire, du Handanovic. Voilà, il y en a deux. Mais il n'y a pas d'exception. Il faut savoir que les exceptions, ça tombe pas souvent, on va dire une fois toutes les 10 minutes. Mais bon, c'est déjà ça. Et une fois que vous le trouvez, ben, vous faites 4000 bénéfices. Ce qui fait à peu près 4 x 6, ben, 24 000 bénéfices par heure. C'est pas mal du tout pour un début de suite. Voilà, maintenant on va passer à la troisième technique. Voilà, troisième technique. Il n'y a rien de plus simple. C'est une technique d'investissement, les gars. Une technique qui va être très très efficace. C'est moi qui vous le garantis. Voilà, vous recherchez pour le personnel, vous mettez brésilien. Non, par contre, c'est pas là. Brésilien. Et là, vous voyez les entraîneurs brésiliens un peu. Vous voyez que celui-là, il a 450. Sachant que c'est le seul entraîneur brésilien hors du jeu. Donc, à mon avis, il va augmenter très très fortement dans les prochaines semaines. Avec, on a énormément 400. Dès que je vais sortir, cette carte va augmenter. Par exemple, là, je vais en acheter un. Voilà, juste pour vous montrer. À 350. Donc, c'est pas cher du tout. Et il n'y a pas de risque. C'est pas comme pour les investissements à 1 million de crédits ou quelque chose comme ça. Je vous les conseille très fortement, les gars. Vous les placez dans la liste ou vous les stockez. Ça, ben, ça ne change rien en tout cas. Voilà, vous mettez 400, vous cherchez, vous achetez tout cela, achetez le maximum. Voilà, en tout cas, ils vont devenir minimum amis si vous allez doubler vos crédits. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne. Et ben, likez pour plus de tutos. C'était AlioTutHD. Bye tout le monde.